Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 32e épisode de notre Let's Play Station Ears sur le serveur communautaire. Et aujourd'hui, on refait un petit tour chez les voisins. Allez, on route. Si quelqu'un a besoin d'une tablette, je lui la laisse là. Boum. Les centrifuges du traitement des échecs. Les chutes en quantité absolument normale. Vas-y, poste tes merdes chez moi. Eh, c'est pas que chez toi, c'est chez tout le monde ici. C'est les parties communes. Je pose pour celui qui en aura besoin, hein, si quelqu'un en veut une. J'ai trouvé un crâne à toi tout à l'heure. Je l'ai posé dans un locker plus bas. Ce sera la surprise quand tu le trouveras. En même temps, il n'a pas créé sa petite maison. Bah oui, il n'a pas créé sa petite maison. C'est un peu le maire du village, Greg Peck. Il occupe le centre communautaire en permanence. Est-ce que j'ai fait le tour ? J'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait là. J'ai pas fait le tour au sens propre. Je peux aller de l'autre côté là-bas. Oui, c'est un constructeur fou comme Sabdam, Greg Peck. C'est un Sabdam bis. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Je pense que c'est différent, ça, il me semble. C'est juste dans ma tête. Je vais peut-être pas monter. Ah bah on pouvait passer. C'est ce qu'il me semblait. Ok. Sans Sabdam, tu t'ennuies un peu? Bah il faut le tanner, tu le pinges sur Discord, tu lui dis de venir. Tu lui demandes s'il a bien travaillé sur Satisfactory avant. Et il vient. Ok. Il y a des couloirs qui dont l'intérêt me... Ah, la petite zone qui avait... C'était XK qui avait fait cette petite zone au démarrage. Eh ? Oui, j'ai trouvé la clim d'Elmo en bas. Ici, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est pas ouvert. Un peu de peinture. Ouais, besoin, s'il vous plaît. Voilà. Oh, un laptop. Oh, la belle heure. Ou de la soupe. Matmos analyzer et tracker. Network analyzer, on a... Des tonnes. Par où la sortie? Par ici. C'était pareil. Tous les chemins mènent à la sortie. Je vais piquer une batterie nucléaire pour mettre chez moi pour pouvoir swapper plus facilement.
Et avec tout ça, c'est la fin de la nuit. Juste aller voir rapidement les plantes, si elles n'ont pas déjà recrevé. Ah ben non, cette fois ça va. Du coup... Bah. Stress à 59% ou à 54%. Bien. Et toi, c'était un tracker que je pouvais mettre, par exemple. Bien, bien, bien. Mes batteries, j'ai à peine consommé. Et donc, on va faire un petit tour du propriétaire. Qui a fait quoi ? Alors, on peut aller voir chez XK, on peut aller voir là-bas, il y avait là-bas. Alors là-bas, c'est chez Nico, c'est ça, je crois. Ah, une piste pour les traders, ouais, une piste d'atterrissage. Chez les Québécois, ouais, ça a pas l'air d'avoir bougé. Un truc là-bas, est-ce que c'est aussi aux Québécois ou est-ce que c'est juste du voxel? Ou est-ce que... C'est du voxel. Et là-bas, est-ce que c'est aussi du voxel? Il n'y a pas encore popé. Cubique. Ça ressemble à du voxel, là. Ouais. Donc on va aller voir le robot. On va aller voir ce qu'il a fait de beau. Sa starter est toujours ici. Le terrain de basket est toujours là. Il n'a pas affiché zéro. Ah. Non. Non. Allez. Possible. Je suis pas le prochain Michael Jordan de l'espace. Hein. Ouais, une heure plus tard, toujours non. On va faire ça. Voilà.
Je sais reconnaître mes limites. Où il avait monté son panneau? Ah, c'est juste un corner. Bien fichu quand même. J'aurais dû appeler l'ascenseur avant de... Ascenseur, ascenseur. Wow. Ascenseur, ascenseur. Ah là, voilà. Allez, 21 étages à descendre. Pum 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 pum. Nous y voilà. Ouh. Beaucoup de batterie, monsieur. Salut, Steve. Tout renommé. Non. C'est tellement dommage de ne pas pouvoir renommer. Alors... C'est grand et blanc. Et... Ah, il y a une feinte. Pour piéger ses ennemis dans la lave. Et voilà un SK. Bonjour XK. Bonjour. Comment vas-tu? Je me rappelle de mon invasion de graines sur Vénus, tu veux dire. Mais non, c'était les œufs sur Vénus. Mon invasion de graines. Ah oui, oui, dans ma serre. XK a fait la même chose avec du minerai. Oups, je pense que j'ai fait une boulette. Parce que je vais pouvoir me décaler un peu pour passer. Ah, je suis coincé ici. Je suis coincé avec un robot pour toujours. Il les a fait popper où ces minerais? Il a démonté un silo qui était plein. Ce serait bien du XK ça. Et du coup, on pouvait aller par là. Il y avait quelque chose par là? Non. Rien du tout. Attention à la marche. Eh. Aïe. On peut utiliser le jetpack pour ça. Et de l'autre côté... Qu'il a creusé son trou un peu plus profond. Ah, il a trouvé une grotte. Mais non, le trou s'arrête ici. Sa centrifugeuse avait rempli la pièce blanche. Ah oui. Ah, c'est dangereux une centrifugeuse. Oh, monsieur est à la transmission d'énergie sans fil.
Et donc, il a fait une fournaise à P.I.D. Apparemment. Pas de choses extraordinaires chez lui. Non. Charbon. Extraordinaire. C'est ça les tests de P.I.D. C'est sur une fournaise là qu'il l'avait mis le P.I.D. A priori. Ah, c'est la centrifugeuse qui est en dessous qu'il a mis son P.I.D. à côté de la fournaise pour contrôler la centrifugeuse en bas. C'est pas très logique. Est-ce que j'aide l'ascenseur en faisant ça? Est-ce qu'il va plus vite? Et c'est le soir. Super. Comme ça, je vais pouvoir visiter de nuit. Sauter. Non. Saute sur le toit. Voilà. Saute. Saute sur le moi. Alors que disent mes plantes? Elles sont pas mortes. Je crois que c'est une victoire. Alors, donc là, nous nous dirigeons chez Nico, si j'ai pas de bêtises. Oh! Une rampounette. Oh! Un hangar. Clang. Moi, je vois une rampe et un tunnel. Je fonce. Alors, depuis le toit, il y a un peu plus de solaire que la dernière fois, il me semble. Ça a bien changé. Donc, je passe par cette porte. C'est pas un sas. C'est normal. Ok. La foi. C'est pas chez moi. Je vais pas. Ah oui, là il y a un futur sas pour la chambre. D'accord. Il y a un autre sas pour les parties techniques. Pour les points à gauche. Hangar Atmo Batterie. Déjà, je voudrais voir ce qu'il y a là. Mais si, c'est un sas qui marche. Un futur sas, c'est juste la console qui est éteinte. Tu dis je bête. Ah, il y a un petit capteur de présence. Cool. Petit placard. Je fouille. Et une filtration. Donc tu filtres le CO2 pour le mettre ici. Ce qui n'est pas du CO2. Tu renvoies. Tu balances dans la clim qui renvoie là-bas. Ok. D'accord. Oui, qui renvoie du coup vers vers la chambre.
très efficace. Ouais, moi je préfère les clims pour dans ce but-là. Je préfère relier entrée et sortie pour éviter que ça fasse un flux d'air. Mais j'ai l'impression que c'est ce que t'as fait faire parce que à tous les coups, ça c'est. On va voir. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait de la pression. Après, j'ai oublié de leur fermer le casque. Les hommes, ouvre-toi. Donc, ici, on est sur le pipe network 11.027.09. Non, c'est deux pipe networks différents. Oh, mais il fait chaud. C'est vrai qu'il fasse si chaud. Kilopascal et 60 degrés. Ouais. On voudrait presque sortir par là. Ok, four et prod. Oh. Un four qui peut exploser. Monsieur aime vivre dangereusement. C'est très bien. J'ai enfin un robot sur le serveur. Quelqu'un peut utiliser ton IC de combi. Ah, t'avais un IC pour ta combi et t'en as plus besoin, tu veux dire. T'as pas encore réussi à le faire exploser. Bon, si tu veux, je peux t'aider, hein. Est-ce que c'est... C'est un setup... C'est mon setup 3 gaz ou c'est... Non, c'est un 2 gaz. Ah non, 3 gaz. Ouh. Alors par contre... je vois un petit... Une petite erreur. Enfin une petite erreur. Un petit souci. C'est que là, tu as deux longueurs de tuyaux. C'est pour ça que moi, je... Ici, j'ai mes trois côte à côte. Et du coup, ta fournaise, elle va aspirer que la moitié de ce volume-là, puisqu'elle sera sur 100 litres. Si tu as une longue discussion avec Greg... Je pense qu'il a dû dire la même chose que moi. À ta place, je décalerai ce tuyau-là pour pouvoir mettre l'autre pompe directement dessus, peut-être en dessous simplement, si t'as pas besoin de la flotte. D'accord. Allez, tu... Teste pour voir comment ça tapait ou pas. Et du coup, ah non, t'as juste préparé des choses, mais... Palissé qui va avec. Vert. Circuit vert est partout. Il a disparu ton IC. Ou alors il était pas encore fait. Ou un rover. Ah, le rover c'est pour le hangar. Tu vas toi aussi apprécier les choix du rover sur serveur. C'est une rover. Un rover sur serveur, c'est une horreur. Ah, lycée dans l'ordi, d'accord. Ok, donc le hangar du rover. Il manque un petit escalier, je pense.
ou deux. Non, on peut avoir un escalier là, sinon ça. Sinon ça fait boum. Ah, si on pouvait mettre les portes de hangar à 45 degrés, on pourrait faire une rampe automatique. Et. Et la porte du jardin. Bien, ça a bougé, hein. Ça, là, la progression, elle est flagrante. Continue et tu le trouveras, l'escalier. Et il y a encore... Ah oui, il y a un truc, là. Une porte. Oh, j'avais pas vu. Attends, attends. Et où ? Hangar Atmo batterie. Ah oui, d'accord, ça c'était hangar et. J'ai pas vu qu'on pouvait passer par là. Les batteries. Doran Light. Homester, Fourré Prod, Atmo, hangar. Ça c'est bien étiqueté, ça. Hein ? Tout le monde. Prenez exemple. C'est comme ça qu'on étiquette. Moi, y compris, il faut que je prenne l'exemple. Donc, en carrière de mots. La gaine technique naturelle. Un vide sanitaire. Atmo avec stockage de CO2, stockage de polluants, oxygène et azote qui repart par là. Ah, peut-être que tu t'en resserres direct. Ah non, tu les stockes là-haut. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on lit ? On lit le lever. On write. Sur les médias Mangardour, open. Magnifique. C'est beau. Fait le tour. J'ai pas vu cette porte. J'ai vu cet escalier. Ah. La vraie sortie de derrière. Ok. Ah, on arrive là, d'accord. Bah, c'est... C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus s'installer depuis le temps ? Ah, il y a encore du boulot, mais c'est... C'est plutôt cool. C'est soigné, en tout cas. Je dirais que c'est soigné. Donc on a dit que les Québécois, ils n'étaient pas revenus. Greg Peck, toi qui connais bien le serveur, as-tu vu quelqu'un d'autre s'installer ? Et coucou, XK ! Comment tu vas ? Toi, tu es parvenu. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !